et du lapin. Où ils mènent, on n'en sait rien. Des impasses à chaque coin. Est-ce qu'on en verra la fin? Bonjour les petits lapins, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA 5 RP avec FabM. Et aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau serveur qui est encore en développement, créé par toute l'équipe à Patate. Alors Patate, c'est Patate, c'est un streamer. Donc je sais qu'il m'a fait pas mal de pubs pour ma chaîne YouTube, donc à mon tour de lui rendre l'appareil, bien entendu, c'est tout à fait normal. Donc je vous présente le serveur kana-rp.fr. Donc c'est un serveur, comme c'est bien précisé, Sirius RP. Donc il est encore en développement, mais ça promet des très bonnes choses. Alors je vais essayer de vous présenter le serveur. Alors ne vous inquiétez pas si jamais il y a une chaîne RP, voilà, je serai obligé de jouer le jeu. Voilà, donc j'ai déjà fait mon skin pour faire une belle présentation. Je vais quand même vous présenter tout ça. Et ensuite il y aura d'autres vidéos où je vais vous expliquer tous les différents métiers qu'il y a et quelles seront les procédures à faire. Il y a bien entendu des métiers illégaux. Alors par contre, ces métiers illégaux, je ne vous ferai pas de vidéo. Pourquoi? Parce que c'est des missions où c'est des endroits cachés qui ne sont pas indiqués sur la carte. Je sais pas, on imagine. Je vais vraiment vous dire, mais là une grosse connerie. On imagine que le fabricant de cocaïne est ici, par exemple. Voilà, je vous le dirai pas que c'est ici et je vous ferai pas de vidéo là-dessus. Voilà, donc c'est pour respecter le serveur. Respecter les scènes RP et voilà, qu'il n'y ait pas de triche, de HRP, voilà. Donc, je vous le dis maintenant, il y a des métiers illégaux. Je ne vous dirai pas tout. Et je ne vous dirai pas non plus où ça se trouve, bien entendu. Alors, le serveur. Donc, le serveur, voilà, il se présente comme ceci. Donc, moi, j'ai une carte en couleur que vous pouvez trouver... sur différentes plateformes, et je crois que c'est même sûr, vous pouvez le trouver sur le forum de ce serveur. Le lien est dans la description de la vidéo. Alors, qu'est-ce que vous pouvez trouver? Alors, comme à peu près comme partout, vous avez ici le Pôle emploi. Donc, on va. De toute façon, je vais vous montrer, on ira faire un petit tour. Donc, ici, vous avez le Pôle emploi pour sélectionner votre métier, Lego. Ensuite, vous avez le Grand P qui est la préfecture. Donc à la préfecture, c'est là que vous devez acheter votre permis de conduire, acheter votre permis de port d'armes, si je ne me trompe pas. Ensuite, bon, vous avez les différents magasins pour acheter de la nourriture, différents magasins pour vos habits, les banques. Par rapport au métier, on va dire à peu près basique, par exemple, tout ce qui est minerai, donc les mines. Donc c'est représenté ici avec le drapeau. Alors ce qui est super sympa chez eux, c'est que ils ont rassemblé les différents métiers avec les couleurs. Par exemple pour les mines, vous avez le drapeau marron, enfin gris marron, on va dire plutôt gris peut-être. Gris. Donc là il faut aller récupérer la mine ici, les minerais ici, et ensuite vous devez. Alors j'ai pas fait ce petit job là, mais à mon avis. Alors attendez, on va regarder ensemble, moi je découvre avec vous en même temps, tac tac. Je crois que j'ai pris un mauvais exemple. Faut pas les autres. Vous savez quoi, je vais vous faire voir pour le vin. Pour le vin par exemple, hein, on va changer. Donc pour les vignobles, donc là ici vous avez les vignes. Et ensuite il va falloir traiter vos raisins ici et ensuite aller le vendre ici. Comme vous pouvez voir, c'est représenté par la même couleur. Et ça, c'est génial. Ça évite de trop chercher. Des fois, quand vous avez une carte avec pas mal d'icônes, des fois, on s'y perd un petit peu facilement. Donc ça, c'est quand même sympa. J'aime bien ce principe-là. Alors, il y aura d'autres vidéos. Je vous ferai une vidéo pour chaque métier. Par exemple, là, pour le vin, je vous ferai une vidéo rien que pour le vin. Pour vous montrer où aller. Aller ici et aller ici. Bon, ça peut paraître simple, bien entendu. Mais bon, voilà. Ça apportera un peu plus de... des fun pour le serveur. Donc vous avez le vin, vous avez la mine, et je crois qu'il y en a un autre, c'est le bois. Voilà, vendre du bois.
Donc la vente du bois, c'est ici en bas, et ici vous avez la scierie et la découpe du bois. Et vous voyez, comme là, c'est fait en couleur marron. Et bien, en plus, le bois marron, c'est très bien en plus. Donc c'est représenté par les mêmes couleurs. Ensuite, alors là, ici, c'est la fonte de métaux. Donc voilà. Et bah voilà. Là, le minerai, fonte de métaux. Et après, bah, faut trouver le point de vente pour les métaux. Alors, si je me trompe pas, il y a peut-être différents. Après la fonte, il y a peut-être différentes matières. Donc, ça, après, à mon avis, je pense qu'il faut chercher les points de vente. À mon avis. Vous avez la petite croix rouge qui représente l'hôpital. CHU de Los Santos. Qu'est-ce que vous avez? Après, là, ici, vous avez l'entreprise USPS, l'entreprise de livraison. Voilà. Alors, je répète, le serveur est encore en développement. Il y aura d'autres surprises, bien entendu. Là, ce que je vais faire aujourd'hui avec vous. Oh oui. Là, je vais vous montrer le pôle emploi. Bonjour, ce serait pour emprunter votre voiture. Merci. Je vous la rends tout à l'heure. Je vais pas vous l'abîmer, promis. Merci, monsieur, à tout à l'heure. Le pôle emploi, est-ce que je me trompe pas? Là, je m'en vais dans le bon sens, je crois. Ouais, c'est ça. Hop. Allez, je vais vous montrer ça. Alors, regardez bien, dans la description de la vidéo, il y a le nom du serveur. Il y aura, pas il y a plutôt, leur forum. Le serveur est Wesley T. Donc, en fonction de la date de la vidéo et de leur liste de Wesley, soit c'est ouvert, soit c'est fermé. En fonction de la date que vous regardez la vidéo, bien entendu. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, je crois que la Wesley est ouverte. Je ne me trompe pas. Donc voilà, donc si jamais c'est ouvert, vous voulez rentrer dans le serveur, n'hésitez pas à poser votre candidature, à faire un très très beau, enfin une très très belle candidature, et ils vous répondront. Et c'est un serveur très sérieux et très strict, je préfère vous prévenir maintenant, et ils ont tout à fait raison. Donc dans les métiers, nous avons le chômeur, bien entendu, bûcheron, viticulteur, mineur et livreur. Donc moi actuellement je suis viticulteur, vous voulez voir un peu. Donc voilà pour les principaux jobs. Ensuite, une fois que vous êtes whitelisté, vous pouvez bien entendu créer votre entreprise. Donc il y a un gouvernement, il y a pas mal de choses, donc il faut suivre la procédure. Donc voilà pour les métiers. Ensuite, pour les skins, je vais vous montrer quelque chose que moi bêtement je ne savais pas, et c'est Patate qui m'a expliqué. C'était tout bête en fait, mais. Hop. Donc pareil, il y a beaucoup de choix dans pour le skin. Donc, faut que je fasse attention s'il n'y avait pas les patrouilles. Et là, il tombe dessus, je suis mal. Presté. Une petite urgence. Alors pour le skin, voilà, on va aller là-bas, tac tac. Alors, donc là vous faites comme la plupart des serveurs. Donc là pour changer, vous changez le genre. Donc le genre en fait c'est soit vous prenez un homme ou une femme. Alors, je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de recommencer mon skin, que je le trouve très bien comme ça. Donc vous verrez où vous avez le choix. Ensuite la tête, donc vous choisissez le visage. Alors la tête c'est les cheveux, le visage, l'accessoire, les oreilles. Donc moi j'ai une oreillette, lunettes, chapeau et masque. Pour les cheveux, bon, je peux vous le faire, donc maintenant je le sais. Voilà. Bon, alors moi ça ne verra pas parce que j'ai mon petit béret, mais voilà, vous avez les cheveux. Là vous voyez que c'est tout le temps en couleur vert. Et en fait, il faut tout simplement faire. Bon, on imagine que vous voulez avoir des cheveux longs. Et bien, il faut tout simplement faire la flèche gauche ou droite pour sélectionner la couleur de vos cheveux. Voilà. Et tout bêtement, moi, je ne savais pas. Je n'ai pas pensé à faire gauche-droite avec les flèches directionnelles. Par contre, j'espère qu'il va pas me les prendre en compte. Ici, il me les a pris en compte. Ah,
Avec lequel, moi, par contre. Oh, j'ai le béret, ça après je vois. Il y avait un petit peu les cheveux longs. Ça, après ça. Fais peut-être ça. Allez, on mettra ça, on verra bien. Et une fois que vous faites entrer, nouvel élément acheté. Voilà. Donc voilà pour le skin. Donc vous avez tout ça. Pour vous expliquer, en haut à droite, vous avez donc l'argent que vous possédez sur vous. Donc l'argent que vous avez en poche. Ensuite, le petit rectangle bleu qui représente la carte bancaire. Donc c'est l'argent que vous possédez sur votre compte en banque. Ensuite, là, c'est marqué viticulteur, donc c'est le métier que vous avez. Et ensuite, vous avez deux icônes. Une représentée par une part de pizza, qui représente votre faim. Et ensuite, la chope de bière, qui représente votre soif. Donc, bien entendu, plus ça diminue, plus vous avez faim, et plus vous avez soif aussi. Et vous pouvez mourir de soif ou de déshydratation. J'avais bien compris. Donc pour ça, il faut bien entendu aller dans les magasins et acheter. En repas, il y a pour le moment il y a que le burger et en boisson il y a que le coca. Je pense que par la suite ils en ajouteront donc, je pense. Ensuite, vous avez un inventaire très sympa. Alors l'inventaire, c'est avec la touche K. Donc là, vous avez des animations, téléphone, inventaire, gestion des accessoires et carte d'identité. Alors pourquoi? Faudrait que je prévienne Patate. Je sais pas si peut-être qu'il le sait, mais. Faut pas faire la flèche haut. Enfin, moi pour ma part, je peux pas faire la flèche haut. Carte d'identité. Donc vous avez votre nom. Moi pour ma part, Tom McAdam. Et mon numéro de téléphone. Ensuite, gestion des accessoires. En fait, vous pouvez. Retirer tous les accessoires que vous avez sur vous. Par exemple, moi j'ai un chapeau, je peux le retirer. Les lunettes, je peux les retirer. Mon oreillette, je peux le retirer. Et si on a un masque, on peut le retirer. Mais par contre, on peut pas le remettre. Je tiens à le préciser. Alors, je ne sais pas si ça sera, si c'est normal ou si c'est, ça sera corrigé. Mais voilà, ouais, je préfère vous prévenir tout de suite. Le téléphone, vous pouvez ajouter un numéro, appeler les urgences, rajouter le numéro. Bah, non, la liste de votre répertoire, pardon. Les SMS, prendre une photo. L'inventaire. Bon, je vais pas vous montrer mon inventaire. Dans l'inventaire, vous pouvez avoir jusqu'à 35 unités. Donc, si jamais vous faites je sais pas, vous allez faire un peu de mine, vous pouvez récolter que 35 unités de mine. Par contre, si vous voulez acheter après de la nourriture, vous ne pourrez pas parce que vous aurez complété votre inventaire. Pardon pour le micro, j'ai tapé dedans. Donc, pensez bien à acheter 2-3 parts de burger et 2-3 bouteilles de coca. Et ensuite, faites vos achats de minerais ou de raisins, tout ça. Parce que sinon, vous allez vous faire avoir. Et ensuite, les animations. Alors, les animations, il y en a beaucoup. Donc là, vous pouvez lever les bras, saluer, humeur, sportif, festive, autre. Donc, lever les bras, voilà. Saluer. Alors, saluer, il y a plusieurs façons de dire bonjour. Donc, serrer la main, dire bonjour, taper moins en 5, salut militaire. Humeur, vous avez tout ça. Féliciter, branleur, damen, comme toi, no way, fuck, god honor, balle dans la tête, super, enlacé. Ça, on l'a fait, pardon. Sportive, faire du yoga, jogging, faire des pompes. Festive, boire une bière. Près du feu, alors en fait, près du feu, c'est ça. En fait, voilà. Jouer de la musique, ça j'ai bien aimé, moi. Petit oiseau, si tu n'as pas d'ailes, ah, tu peux pas voler. Oui, petit oiseau, tu ne peux pas voler si tu n'as pas d'ailes. Ouais, d'accord. Voilà, non, c'était mon petit humeur de voilà. Autre, crocheter, prendre des notes, s'asseoir, fumer une clope, se gratter les bijoux de famille. Quoi ça? Ah, d'accord. Rock and roll. Ok. Crocheter, d'accord. Ah ouais. En fait, si quand vous voulez, si vous n'arrivez pas à ouvrir la porte et vous voulez pas casser les vitres, vous crochetez les véhicules comme ça ou peut-être les maisons, mais je pense pas. Ouais, je sais pas. Prendre des notes, ça c'est bien pour la police, ça à mon avis, voilà.
Voilà, donc voilà un petit peu ce qu'il y a en place pour fermer. Donc voilà pour un petit une présentation du serveur. Donc comme je dis, le serveur est toujours en développement. Les devs travaillent toujours dessus. Donc ça va s'améliorer au fur et à mesure. Donc là, il y a les concessionnaires, Binco, Clutching, okay. Les banques, entreprises Los Santos Industries, fonte de métaux, garage, je sais qu'il y a les taxis. Il y avait les taxis. Je sais plus. Combien qu'il y avait les taxis? Oh, j'ai peut-être rêvé. Je savais qu'il y avait des taxis, moi c'est pas grave. Hop, hop, hop. Donc voilà, voilà ce que vous pouvez trouver. Et quartier général des LSPD. Revente. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur forum, à vous présenter. Et si jamais la watchlist est ouverte, n'hésitez pas à poster vos candidatures. Les recruteurs vous répondront. Que ce soit positif ou négatif, n'importe quel moment, ils vous répondront. Et si jamais il y a quoi que ce soit, ils vous inviteront sur leur Discord. Je ne mettrai pas le lien de Discord, voilà, vous le trouverez sur leur forum. C'est pas au cas où, si jamais leur Discord est fermé pour X raison, je ne préfère pas mettre le lien du Discord. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Il y aura d'autres vidéos sur ce serveur-là, où je vais vous montrer un peu les différents jobs et les procédures à faire. Par contre, je me répète, et je ne montrerai pas les métiers illégaux. Alors, je vais en citer, hein. Il y aura de la drogue, il y aura tout ça, mais je ne vous montrerai pas où ça se trouve et ni comment il faut faire. Oh, ça, c'est, voilà, il faut respecter le RP. Faut pas me demander, je ne répondrai pas. Voilà. Non, je vous dis pas ciao, 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 parce que je vous ai pas fait voir la préfecture. Voilà. Je vais vous montrer la préfecture. Donc là, on va aller voir la préfecture. Bon, bien sûr, il faut après rouler RP et tout. Hein. Là, je vais pas dire que je me dépêche, mais... Hop. Bon, après... Même si c'est du RP, vous pouvez très bien passer au rouge. Là, après, c'est votre problème. Alors, par contre, je vais passer par le côté. Faites attention que le GPS vous fait. Enfin, il vous montre une route pour aller à la préfecture, mais en fait, quand il vous fait prendre le périph. Alors, ne prenez pas le périph, parce que sinon, vous allez vous faire avoir. Tout simplement. Hop, voilà, nous sommes arrivés. À la belle préfecture, très jolie. Et ensuite là, vous pouvez cliquer sur le E, donc acheter un permis, enregistrer un véhicule. Ah, je crois qu'il y avait le permis d'armes, j'ai dit une bêtise tout à l'heure. Donc acheter un permis, moi je l'ai déjà. Permis de port d'armes, c'est ce qui me semblait. Voilà, et ensuite enregistrer un véhicule, c'est quand vous achetez... certainement quand vous achetez un véhicule. Ça, je vous montrerai tout ça. Voilà. Je m'excuse pour la petite copie, comme j'avais complètement oublié la préfecture. Je refais un petit tour au cas où si vous n'avez rien oublié d'autre. Et ah, c'est quoi? Ah oui, j'ai des armuriers. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Amusez-vous bien. N'hésitez pas à passer sur leur forum. Je vous invite fortement à y passer. Voilà. Et je vous remercie d'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser des commentaires positifs ou négatifs, à partager la vidéo. Et à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.